Not checked, 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 not checked, not checked, not checked. Hello. New tagline For the has moment, been set I'm busy on Message my posted to Twitter. Hand-free set You're now in the phone live. With time, the European hotline in order to look after persons or structures. Following me on my Twitter, on HQ Prime, on Twitter. So, they present themselves as European, pretendly what they said or what they note. And I wish that the hotline will explain me what about this and what the matters. So, for the moment, I'm for the second time waiting for some minutes in order to let them gather information. So, let's see what will happen. Not that curious. Welcome to Searching for a Solution number 4. Oui, madame? Okay. D'accord, vous voulez dire que le que votre portail Europa ne mentionne pas d'accord. Hein. Nous pourrions transmettre excusez-moi parce que je m'entends. Oui, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous entendez par un service approprié, s'il vous plaît? Très bien, très bien. Je ne suis pas contre le fait, je ne suis pas contre le principe de vous incomber la tâche de bien me fournir l'information, puisque a priori vous servez à cela exactement, donc je ne vois pas de contrariété à cela. Après quoi, est-ce que le fait que ce n'est pas visible sur votre portail Europa, tel que vous venez de mentionner, ne serait pas une preuve suffisante pour dénier leur officielle tâche ou officielle structure faisant partie de l'Union européenne? Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est sur mon Twitter, ils sont parmi les gens qui me suivent. Sûrement, il n'y a pas d'adresse de site web. Ce que j'ai, c'est European Innovation. Il n'y a pas de site web, il n'y a pas d'adresse de contact, ni rien. D'accord, à ce moment-là, ça pourrait être une fraude. D'accord. D'accord. Attendez, attendez. Oui. Je vois bien où vous voulez en venir. Je vois bien où vous voulez en venir. Ça, certainement, vous allez être très utile en me fournissant l'information, quitte à que ce soit bien après le coup, on va dire. Donc, je vous encourage à procéder de la sorte. Que vous voulez dire sur Europe Direct, je oui, remplisse donc, un formulaire. Le formulaire est disponible à l'adresse suivante. Europa.com. Je note à titre indicatif. Hein. Je vous suis. Europa. Europa. Oui. EU. .eu. Slash.
Oui. Europe. Europe. Direct. Direct. En un seul mot? Ensemble, oui. Oui. Voilà. Et quand vous êtes sur notre site, Oui. quand vous descendez, en bas à gauche, Oui, en bas à gauche, oui. Donc, j'appuie sur l'expression par courrier électronique. Il y a une rubrique de soumettre la question par courriel qui est dans cette rubrique, qui est sous cet intitulé. Très bien. Bon, donc, simplement, je veux pas vous encombrer plus que cela. Je voulais simplement avoir le cœur net que c'était pas une institution européenne qui était en train de me suivre et que c'était des gens tiers. Et puis, est-ce que vous voulez dire que votre portail peut ne pas comprendre toutes les institutions européennes, qu'il n'est pas complet ou qu'il y ait des choses qui sont répertoriées sur un autre portail ou quelque chose comme ça? C'est exhaustif. Vous voulez dire que votre portail est totalement et global en ce qui concerne les institutions européennes. Donc, il ne peut pas y en avoir une officielle qui n'y figure pas. Il arrive qu'il y ait des fraudes. Je conçois bien. Et est-ce que pour renseignement légal, est-ce que la mention Europe quelque chose est soumise à droit d'auteur, ce genre de législation? Ou n'importe qui peut mettre Europe quelque chose et procéder par la suite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Jusqu'ici, je n'étais nullement désagréable, nullement désagréant. Je conçois bien que c'est une tâche particulière à remplir et je les invite vivement à procéder de la sorte. De toute façon, pour ma part, je ne m'induis pas en tort parce que je ne tablais pas des masses sur cette entité, mais c'est la seule liaison ou c'est le seul lien ou c'est la seule mention de Europe quelque chose qui est dans ma liste de Twitter. Sinon, il y a la Sorbonne, il y a le commandement européen, commandement américain de l'Europe, de la zone Europe, et ainsi de suite. Donc, je ne vois pas l'intérêt, ou je ne vois pas comment je serais lié à cette entité-là, ou à cette structure, si jamais non. Donc c'est ce que notre opératrice aurait voulu éviter en me proposant de bien vouloir chercher et de ne pas exclure automatiquement du fait que cela ne figure pas sur leur base de données. Après quoi, qu'une base de données ait une fiabilité aussi moindre est quelque chose qui m'interpelle. Je n'imagine pas une structure supranationale ou multinationale qui s'amuserait à ne pas avoir conscience de son volume et par le coup mal employer ce volume-là puisque ce serait une association dont les opérateurs si présents au cours de l'appel ne seraient pas au courant et ne la proposeraient pas à remplir sa tâche le cas échéant. Donc je me demande encore quelle surprise scellerait le Searching for a Solution for. Pour mention légale, je suis à mon domicile légal. Donc,
donc le domicile que les autorités supposées belges me reconnaissent comme étant ce. C'est une grande occasion. Sur mon écran gauche, mon écran latéral, on va dire, puisqu'il y a un écran frontal qui est derrière la tablette que j'utilise pour mon broadcast. Sur mon écran latéral, il n'y a pas moins que C-SPAN, Nasdaq Broadcast et CNBC Bloomberg pour pouvoir un peu voir vers quel tournant, nous dirigeons-nous de manière hors de négociation, hors de attentisme. Après quoi, il s'agirait pour l'instant du marasme de la Banque européenne et des actes législatifs pour taxation ainsi de suite aux États-Unis. Donc, ce qui fait que c'est le sujet qu'on aura suscité, qui est la structure de l'État-nation et sa compatibilité avec l'environnement économique mondial actuel. Un instant, et désolé pour mon absence. Désolé. Donc, oui, je suis revenu à côté de mon téléphone. Donc, vous dites que le nom de domaine europa.eu est un nom de domaine utilisé par l'Union européenne, ce que je conçois bien. Il n'y a aucune adresse. D'accord, il n'y a aucune adresse internet sur ce Twitter-là, donc que ce soit europa.eu ou autre. Hein. D'accord, vous voulez dire que n'avez pas contacté une institution. Pardon, parce que je m'entends de nouveau. Très bien, ben Est-ce que c'est vous pouvez diminuer le son, s'il vous plaît? un défaut de téléphone, certainement. Ah, c'est possible. Voilà, donc, comme je vous. Vous pouvez continuer, je vous écoute. Si vous n'avez pas contacté une institution de l'Union européenne pour des renseignements, par exemple. Oui. Une institution européenne ne vous contacte pas si vous ne l'avez pas D'accord. contacté Ça, avant. c'est le principe de fonctionnement, alors on va dire. Voilà. Très bien. Pour revenir à ma question, puisque ces gens-là se présentent en étant Europe Innovation, est-ce qu'un groupe de citoyens, par exemple, du simple fait qu'ils s'intéressent à un sujet et qu'ils soient de plusieurs nationalités du continent, pourrait prétendre du continent ou du continent plus l'île anglo-irlandaise, est-ce que de ce fait-là, ils pourraient utiliser la mention Europe ou européenne quelque chose, exactement d'une manière légale. C'était le sujet de votre recherche dernièrement, je vous Européen, c'est rappelle. un adjectif. Donc, Oui. quiconque peut l'utiliser.
Très bien. Vous procédez d'une manière grammatique. Vous ne figurez pas l'aspect légal que j'ai suscité à ma question. Donc, est-ce que c'est assujetti à des droits d'auteur? Exactement, ma question, c'est. L'adjectif européen, s'il est assujetti à des droits d'auteur. Europe ou européen? Vous pouvez procéder par les deux maintenant. Vous pouvez me Donc répondre pour l'adjectif Europe puisque c'est plus direct européen est un maintenant. adjectif qui n'est pas soumis à des droits Il d'auteur. figure dans le dictionnaire, je suis très 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 d'accord. Oui. Mais est-ce que Europe est quelque chose, est un mot qui est soumis à des droits d'auteur ou qui est soumis à des droits de propriété intellectuelle, on va dire? Europe, c'est un nom propre. Oui, mais bien sûr, à usage commercial, économique ou institutionnel à ce moment-là. Oui, Je ne demande pas après quelqu'un par qui contre, utilise ce le nom mot ou du cet adjectif portail dans son article de Europa. journal. Est-ce que vous me suivez bien, madame? Je ne demande pas après quelqu'un qui l'utilise dans un article de journal ou qui l'utilise dans une lettre privée. Je demande après quelqu'un qui l'utilise pour la dénomination plus ou moins officielle de son activité. Est-ce que c'est assujetti à droit d'auteur ou droit de à la propriété intellectuelle? S'il vous plaît. Parce que je ne pense pas que je Donc, l'ai bien compris. hors usage personnel, privé, Oui. est-ce que c'est assujetti quand il s'agit de l'usage commercial ou de l'usage légal Oui. de droit d'auteur ou droit intellectuel? Mais de l'usage du mot européen ou par exemple du drapeau européen. L'usage du mot Europe à des fins commerciales ou des fins légales? D'accord. Est-ce que vous pouvez patienter quelques Je vous instants? en prie. Je vous évite cette marasmatique musique. Mais j'ai mis headset, donc Bluetooth. Bien. Si jamais il s'agirait de cautionner quelque chose, c'est quelque chose de défini, certainement. Pour répondre à l'aspect interrogatif de la manière de se tenir de notre commentateur de C-SPAN. Il est 13h29. Toujours 13h29, on continue notre Looking for Solution 4. Online, I'm with the European hotline that have to answer me. Oui, madame. Bonjour. Rebonjour. Oui. Oui. Donc on peut les utiliser de manière concurrentielle. D'accord. Oui. Donc vous trouvez que votre logo est... Le logo, vous voulez dire? Vous voulez dire le drapeau qui est l'étoffe bleue ornée de d'étoiles jaunes. Très bien. C'est une charte graphique, du moins, bien sûr. Donc vous voulez dire, oui? Vous voulez dire que vous pouvez continuer, oui, vous pouvez continuer d'abord.
Donc, il s'agirait simplement de l'usage de votre drapeau, alors supposé. N'est-ce pas? Il s'agirait simplement de l'usage de cette étoffe ornée de étoiles. Simplement. D'accord. Alors, le mot européen n'est vraiment pas jumelé avec cela. C'est une loi que vous avez des références selon? Vous avez des références là-dessus? Oui. Dans la mesure où elle n'est pas de nature à créer une confusion entre l'utilisateur et l'Union européenne, Oui, je vous écoute. dans la mesure où elle n'est pas liée à des objectifs ou activités incompatibles avec les principes et les buts de l'Union européenne. Très bien. Et on peut vous envoyer des informations par email, par exemple. Ou sinon, je peux vous donner aussi un point de contact à la Commission européenne, le secrétariat général, Oui. qui répond à des questions institutionnelles. D'accord. Pour récapituler notre conversation, après quoi peut-être bien sûr que je procéderai de la sorte, Oui. l'usage du mot européen ne peut pas être soumis à des lois de restriction, sauf si cela est jumelé à un usage de votre étoffe bleue ornée d'étoiles jaunes. Parce que les C'est-à-dire drapeaux ont été déposés aux Nations Unies et aux c'est-à-dire donc SDN dans les années 36-38. l'adjectif européen est accompagné du drapeau de l'Union européenne, à ce moment-là, il peut s'agir d'une fraude. Eh bien. C'est-à-dire que quelqu'un l'utilise à des fins frauduleuses. J'imagine, j'entrevois bien. J'entrevois ce que vous voulez m'insinuer. Donc, très bien. Pour mon cas, il s'agit bien de cela. Il s'agit bien de quelque chose avec le mot européenne dedans. Et même la mention EU, le sigle EU, plusieurs fois. Et l'étoffe bleutée, mais qui n'est pas disposée en format drapeau, qui est disposée en étoile jaune sur fond bleu, mais sur plusieurs quartiers et ainsi de suite. Je ne peux pas vous décrire un logo graphique, vous imaginez. Donc il y a bien les Bien étoiles entendu, jaunes. monsieur, dans ce cas, vous pourriez nous transmettre ce que vous avez reçu par le formulaire dont je vous ai déjà J'ai l'adresse parlé et encore, qui est j'ai noté disponible sur l'adresse. Eh notre bien, site internet. europa.eu/europe direct. Et puis Voilà, je suis vous accédez au formulaire procédures. de contact et vous nous envoyez ce que vous avez reçu par Oui. internet. Et Oui. à ce moment-là, nous pourrions transmettre cela à un service approprié Très bien. qui va examiner ceci. Vous voulez me faire comprendre que peut-être ce service-là serait susceptible d'homologuer ou pas sur base de ma demande? Où les choses sont Comment arrêtées, et ça, ce qui est dedans, dedans, et ce qui est dehors, est dehors. Madame? homologuer ce groupe? Donc, est-ce que vous êtes sûr que ce qui est dedans est déjà dedans, et ce qui est dehors est déjà dehors? Ou est-ce que cette instance-là va sortir un jugement ou va nous dicter l'avis définitif, mais à partir du cas, au cas Qui par va cas? déterminer s'il s'agit d'une fraude ou pas, mais non pas qui va examiner Donc, fraude ou si pas, ça veut dire que ce qui est homologuer. dedans est déjà dedans, ce qui est dehors est déjà dehors. S'il y a fraude ou pas. S'il y a cette notion. Sinon, ce sera de l'agglomératif. Ce sera s'agglomérer avec tout ce qui ressemble à ce moment-là ou quelque chose. Est-ce que vous me suivez dans ma logique, plus ou moins? Non, pas vraiment, à vrai dire. Là, je D'accord. suis un petit peu perdue, je Je me dois dire. reprends. Voilà. Alors, tout ce qui est dedans comme structure, tout ce qui est structure, qui fait partie de la structure européenne, est déjà quelque chose de cerné et de précis, concis, on va dire.
Cela pourrait donner lieu à une logique de fraude ou pas. Mais si on ne sait pas encore ce qui est dedans ou ce qui n'est pas dedans, et que on s'agglomère à la meilleure fiabilité, la meilleure rentabilité ou les meilleurs résultats ou autre logique, ce serait alors une simple entité tentaculeuse qui se gravitationne autour d'une idée, qui serait une idée qui est l'Europe ou une autre idée. Est-ce que vous avez mieux cerné maintenant? Mais vous parlez de ce groupe qui vous a contacté? Certainement, à l'occasion. Oui, mais nous, en tant que service général de l'Union européenne, qui répond à des questions d'ordre général sur les institutions, les politiques de l'Union européenne, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer si cette entité qui vous a contacté est effectivement un groupe ou une entité dans le cadre de l'Union européenne ou pas. D'accord. Eh bien, pour mention, le sujet, le débat Moi, je sur. dis qu'il pourrait s'agir d'une fraude, Très bien, très bien. Mais pour que mention légale, la puisque personne je suis documenté, madame. identifiée qui se présente comme Je suis une très entité de documenté, l'Union même. européenne, alors qu'elles ne le sont Oui, pas, bien sûr, bien sûr. pour d'autres Mais gens, par exemple. puisque je suis très documenté, je vous réfère aux lois de 2005 et 2004. C'était le moment où on avait suscité. L'utilisation de l'étoffe bleutée ornée d'étoiles jaunes et du mot européen, ainsi de suite. C'est un sujet qu'on a suscité en 2004-2005, ça veut dire qu'il a au moins 6 à 8 ans. C'est une loi belge ou une loi européenne? Enfin, Vous écoute? monsieur, moi je vous proposerais que vous nous envoyiez ce que vous avez reçu sur Internet par email via le formulaire. Et à ce moment-là, on pourrait voir de quoi il s'agit plus précisément. Très bien. À ce moment-là, oui, bien sûr, je vais effectuer la chose. Mais pour le fonctionnement institutionnel, vous m'avez dit que le secrétariat général était plus à même à me éclairer sur la chose. Oui, concernant par exemple l'utilisation du drapeau D'accord. européen, vous pouvez contacter la Commission européenne, secrétariat général. Oui. Vous avez un numéro de contact? Oui, il y a un numéro de téléphone. Oui, je vous en prie. Donc, c'est 02 Oui. 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 26 26. 26 deux fois. D'accord. Et il y a aussi une adresse email. Oui. EM comme Marie, Oui, EM. B comme B. Barbara, Oui. L comme Léopold, Oui. arrobase Oui. EC point C. Point. Europa point Point. Point. EU. D'accord. Donc, oui, là, je présume que c'est un europa.eu, ce qui fait que c'est un nom de domaine utilisé par La Commission l'entité européenne. Commission européenne. Oui, D'accord. oui, Eh bien, à l'occasion, je voudrais vous dire que parmi les gens qui me suivent sur mon Twitter, il y a ICANN. ICANN qui est l'autorité. Vous Monsieur, savez, c'est quoi? je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais il y a un autre citoyen qui est dans la file d'attente Certainement, certainement, au je libérerai la téléphone. ligne. Donc, l'ICANN, c'est l'instance qui donne les noms de domaine, comme le .eu, .be, .fr, ou .uk, .co.uk, etc. Donc, je tiendrai à ce que cela soit pris au sérieux, soit mis au clair, parce que je n'apprécierais pas que, sous prétexte d'innovation, le nom de domaine .eu ou le nom de domaine .europa ou .autre, ça veut dire que je travaille avec des gens, vous voulez savoir si vous voulez exactement c'est quoi? Je travaille avec ces gens-là, et ils sont pas loin de la Commission européenne, ils sont situés à Schuman pour ce qui est à Bruxelles, et alors je n'espère vraiment pas que cela se fasse une sorte de cumulé qui permettrait à ces gens-là, par exemple, de prétendre que tout ce qui est .eu représenterait l'Europe, ou que sais-je, je ne connais pas leur plan de manière détaillée. Donc, j'ai préféré vous en faire part
Et j'ai vu que vous m'indiquez une procédure, donc je suivrai la procédure plus ou moins. Mais tout d'abord, je préférerais me renseigner auprès du secrétariat général, duquel je vous remercie de m'avoir bien voulu me soumettre le numéro. Je vous en prie, monsieur. Une très bonne journée. Une très bonne Au journée à revoir. vous aussi. Au revoir. Donc, on appellera le secrétariat général pour savoir si innovation européenne, innovation, in European Innovation, est une entité européenne. Mais puisque je suis dans mon domicile légal, je profiterai de l'occasion pour quelques privautés. Donc, il est 13h43, on procédera à l'appel au secrétariat général. Comme vous allez pouvoir le constater, streaming. De ce fait, je présume qu'ils reprennent leur service à 14h. Donc on va attendre un quart d'heure. Un quart d'heure au cours duquel je propose une activité certaine. Propose d'appeler la Sorbonne. Ou le ministère de l'enseignement supérieur. Français. D'ailleurs, à l'occasion, il y a la rubrique innovation. Donc, il y a certainement une rubrique contact après laquelle je m'attelle à trouver l'énoncé. On va devoir bouger la tablette puisque
ça pourrait être en dessous. Voilà. Donc c'est le 01 55 55 99. Pardon. 55 55 90 90. 01. This call is not authorized. On a vraiment le 2-0, le 33, 90, 90. On essaie avec un plus. Donc, this unroof is tubulation. Comme souci de transparence, je vous donne l'aperçu d'une heure, mais d'une manière arbitraire et aléatoire, de mon travail, ou mes vacances, on va dire. Mes vacances mes vacances à chercher une solution ou à travailler. Donc, as you can see, I propose you from time to time, randomly, 1 hour from my daily effort, my daily craft, to render solution and to bring light on my situation. Bon, type d'appel. Désolé pour... Donc, dès que je mets 00-33-1-5-5 au deuxième 5, il répond que c'est plus un bon numéro, donc... les appels internationaux ont sauté alors, chose qui me mettra dans la nécessité d'utiliser l'autre ligne de laquelle je viens de faire l'abonnement. Téléphone 1, c'est le fil bleu. Le fil bleu. mail.1@gmail.com 11 degrees. Donc, j'essaie ma nouvelle ligne. Ministère de l'enseignement supérieur, High Education Ministry, French High Education Ministry, they are following me. Bonjour, je voudrais parler à quelqu'un. Vous êtes bien au ministère de l'enseignement supérieur? Très bien, très bien. Alors, les personnes qui s'occupent de votre réseau social, de votre Twitter, Facebook, etc., s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît.
Donc, les réseaux sociaux sur Internet, certainement. Donc, ici, j'ai une personne qui s'est présentée en tant que ministère de l'enseignement supérieur français et qui est parmi les personnes qui sont en contact avec moi sur Twitter. Donc, je vais tâcher de vous fournir plus d'informations dans les quelques secondes qui suivent. Donc, ici, j'ai la réponse. Donc, ici, oui, ministère de l'enseignement supérieur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a votre adresse de site internet dessus. Il y a la Marianne avec République française, ministère de l'enseignement supérieur, etc., comme logo. Et alors, voilà, sur le site internet qu'il y a dessus, j'ai pu avoir votre numéro, après quoi je vous ai appelé. Pour savoir c'est qui exactement, si c'est bien le ministère de l'enseignement supérieur ou c'est quelqu'un qui aura utilisé cela. D'accord, mais il n'y a pas plus, enfin il n'y a pas beaucoup de monde qui s'occupe de votre Twitter puisque vous y sortez vos décisions d'une manière officielle, les communications, les updates des dernières. Par exemple ici, les dernières updates datent du 25 mars et c'est Update, c'est mise à jour en français. D'accord. Alors, donc la dernière mise à jour, les dernières mises à jour datent du 25 mars. Et il y a HEC, il y a ENA, il y a Polytechnique, il y a Master in Arts and Master in Science MBA en anglais. C'est pour ça que je vous ai parlé en anglais. Désolé. Puis encore du 25 mars, Université de la Sorbonne, etc., etc., etc. Donc certainement vous avez des gens qui s'occupent de. Vous avez un service presse, un service communication? Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Sure about it. For everything. J'ai un répondeur. J'essaie une seconde fois. Parce que ça aura sonné. Simplement parce qu'on a une nouvelle ligne gratuite. Donc je suis passé chez un concurrent du fournisseur national, historique on va dire, qui propose des appels gratuits vers le numéro fixe, etc. Alors, de ce fait, je peux appeler les États-Unis, l'Angleterre, ainsi de suite, chose qui va venir avec le temps. Donc on n'en est que Searching for a Solution 4. J'espère passer à Building a Solution 1, 2, 3 et ainsi de suite. Le numéro en aura-t-elle? Ne répond pas. Du tout, chose qui est difficile à devoir exploiter. Respect that from a military angle.
Donc pour la Sorbonne, j'ai une page Facebook. Et pour le ministère de l'Enseignement supérieur, j'ai des gens qui sont OVNI, on va dire. Bon. Donc, pour ma part, on essaierait de s'identifier, malgré les conditions, malgré le vécu et les faits, à une sorte de entité américanisante, peu importe le degré de féodalisme, de totalitarisme, de despotisme, ou de prétention, simplement, de cette gente de laquelle j'ai bien pu avoir l'occasion de parler à l'épisode Searching for the Solution 1, Searching for the Solution 2, Searching for the Solution 3, et maintenant on est à Searching for the Solution 4. Tenez-vous en haleine, on réussira à trouver une solution. Non, le commentateur de Sispan a l'air effaré. Et dire que j'ai perdu 12 ans à attendre ce genre de gens qui essaieraient de se faire passer juste. Bon, on va dire que c'est le phénomène people des années 90. Sa répercussion sur le fonctionnement démocratique. Jusqu'ici, je n'ai jamais dénié d'invitation, convocation ou que ne fût-ce que oral, que ce soit adressé à ma personne. Sur les 12 ans, après quoi, je n'ai eu que des convocations en bureau de police pour diminuer de ma personne, ma personnalité, me prendre pour fou, m'incarcérer, ainsi de suite. Chose que je trouve beaucoup moins louable, beaucoup moins exploitable sur le point de vue de relations internationales. Avec les moyens que j'ai pu avoir jusqu'ici, je me permets de susciter l'interrogation, mais je vois que ça s'est amenuisé comme sens. Le fait de être critique par rapport au fait établi et à la réalité établie est quelque chose qui s'amuse avec le temps. Maintenant, on ne conteste que l'hégémonie du capital et tout le monde s'est transformé en une sorte du Che Guevara du temps moderne. Chose qui me ahurit puisque je me retrouve par exemple cerné dans un enclos avec 12 millions de Che Guevara modernes ou de outsource de vassal ou suppôt d'un Che Guevara des temps modernes qui va essayer de prouver que le fonctionnement d'État-nation est un fonctionnement qui peut être un fonctionnement d'État-nation est un fonctionnement qui peut être toujours un consensus entre la population alors que le système capitaliste prévaut puisque plusieurs expériences de consensus entre populations auront pu n'avoir qu'une seule issue qui est le fait de reconnaître la réalité sociale, économique, et le fait de reconnaître l'impératif économique qui est que le capital prévaut, le capital vous garde vos droits et le capital est impartiel puisque utiliser des filtres, on va dire, pour concevoir c'est quoi le capital ou pour entreprendre une relation avec le capital ou ne fût-ce que pour comprendre le capital fait de nous des gens politisés, comme on appelle, ce qui fait que fait de nous des gens ayant un profil exact et susceptible et c'est occupé déjà. Donc c'était une tentative réussie. Donc ça fait de nous des gens avec des citoyens avec un profil exact, avec un profil pas universel, générique ou global, mais un profil vraiment exact, puisque c'est politisé, qu'on comprend les choses à travers des gens qui ont un palmarès, une historique, une manière de voir les choses, ainsi que des critiques et des positions ou des partis pris, voire des réserves sur les manières de voir les choses,
qui, à ce moment-là, nous induirait en charge politique. Je ne veux pas dire par des êtres politisés ou des citoyens politisés que par cela que cela soit critères de discrimination ou quelques critères de disqualification, on va dire. Simplement que cela nous incombe une tâche exacte sur laquelle peu est force de pouvoir tergiverser ou pouvoir extrapoler, mais simplement une très courte définition au fur et à mesure qu'on est intégré dans une structure globalisée ou globalisante. Donc, de ce fait-là, tous les citoyens qui auront, par exemple, voté pour une personne qui aura prétendu des choses exactes, par conséquent et par défaut, se trouveraient dans l'obligation de prendre en compte leur vote de manière primaire d'abord, et puis envisager leur personnalité par la suite, et se tenant compte dans la vie politique. Donc la vie politique, ce sera quelque chose à laquelle ils s'adonneront, mais en ayant bien pu acquiescer, endosser leur profil qui est le citoyen qui aura voté pour le candidat X ou le candidat Y. À ce moment-là, venir avec des notions et des définitions très universelles ou très vagues ou théoriques, on va dire, est quelque chose qui peut, à revers, servir comme double réalité et provoquer une sorte de schizophrénie socio-économique ou économico-politique. Jusqu'à d'autres épisodes pour pouvoir avoir le temps de bien m'exprimer dessus, mais pour l'instant, on continuera à vérifier nos interlocuteurs de Twitter. Searching for a solution for continues. Là, j'ai essayé le centre d'information et de documentation, CID, est ouvert au public extérieur sur rendez-vous au... Bonjour madame. Je suis bien au centre de documentation et information du ministère de l'enseignement supérieur. Très bien. Serait-ce possible d'avoir votre cellule Internet ou cellule communication, s'il vous plaît? Donc simplement, en fait, je suis quelqu'un qui est suivi par votre Twitter. Donc votre Twitter me suit, donc suit mes actualités, etc. Et je voudrais me rassurer que ça appartient bien au ministère de l'enseignement supérieur français et que quelqu'un me confirme la chose. Sinon, ce sera un tiers qui lise votre logo ainsi que l'adresse de votre site internet. Donc si... Oui. S'il vous plaît. Madame, oui, je vous suis. POBRLE. KOBRLE, oui. Frédéric. Oui, 86 05. Donc les 4 fois 5, plus 86 05. Oui, 090, oui, 05. Très bien, je vous en remercie. Et bonne journée. Au revoir. Donc, on va appeler le...
90 05. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, madame. Je voudrais parler à madame Frédéric Cabel, s'il vous plaît. Je suis monsieur Fouad. Donc, j'appelle exactement pour me renseigner sur le Twitter du ministère des Affaires, ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce que c'est bien vous la personne qui s'occupe du Twitter et du réseau social sur Internet? Donc le 06 à la fin. Très bien, merci beaucoup. Je demande après quelqu'un de précis. Est-ce que vous êtes Madame Caberlet, c'est ça? Très bien. Donc, je ne demande pas après quelqu'un d'exactement après vous. Ça va. Juste pour savoir si c'est bien vous qui me suivez sur Twitter ou c'est quelqu'un qui utilise un logo et une adresse internet de manière arbitraire. Très bien, merci beaucoup. Je vous en remercie. Au revoir. C'est pas 86-06, mais 10-06. Bonjour madame. Je voudrais parler à madame Caberlet Frédéric, s'il vous plaît. D'accord. 4 fois 5. Oui. 05. Je viens de faire le 05, mais ils m'ont conseillé de faire le 06. Donc, je suis, d'après leur indication, au service adéquat. Ne serait-ce pas vous, madame, qui s'occupez de Twitter? Du Twitter du ministère de l'Enseignement supérieur? Vous n'avez pas de compte Twitter? Pourtant, ici, j'ai un Twitter avec le logo de la Marianne, République française, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui aura requéré de pouvoir bien suivre mes actualités, etc. Donc, avec l'adresse www.enseignementsup-recherche.gouv.fr. Vous présumez que... Vous présumez qu'il y a des tiers qui auront utilisé le logo plus l'adresse web en toute impunité? Allez. Ne serait-ce pas peut-être une initiative d'une université d'une manière, on va dire, prédisposante ou d'une manière proactive? D'accord, alors ici, bon, je profiterai de l'occasion pour vous signaler que je suis suivi par une entité présumée ministère de l'Enseignement supérieur français.
qui aurait fait des tweets le 25 mars, par exemple, le 25 mars passé, et uniquement le 25 mars. Et c'était simplement peut-être ESCE, École des officiers, ISG, Université Paris 9, Supero, Université Sorbonne 1, HEC, ENA, Polytechnique, et Master in Arts and Master in Science, MBA. Est-ce que cela vous dirait quelque chose? Très bien. Certainement. Certainement, bien sûr. Je reviens. À l'adresse que vous allez me dicter, certainement. D'accord. Que d'en avoir un qui est bien officiel, certainement. Certainement. Mais puisque les tweets ne parlaient que d'écoles supérieures françaises, je n'ai pas pu me douter que ce n'était pas officiel. Sauf que maintenant, voilà, je me rends compte que vous êtes la personne qui s'occuperait de cela, si jamais c'était le cas. Alors, j'attends l'adresse email à laquelle je vais devoir contacter et vous communiquer cela. Virginie. STAELS. Urbain. Recherche plurielle. Au singulier. Point go. GOUV, alors. Oui. Point fr. D'accord. Ici, j'ai une adresse email qui est mentionnée sur le site qui est minens, donc minens at email.com, at ymail, Yahoo, comme le Gmail, donc le email.com. Est-ce que cela vous dit quelque chose? D'accord, parce que c'est réjouissant quand même. Que des gens prétendent à ce genre de choses. Sinon, je vais me rassurer chez la Sorbonne que c'est bien la Sorbonne qui me suit. Après quoi, peut-être c'est une initiative d'étudiants, ça peut être ça. Mais est-ce qu'une initiative d'étudiants peut leur conférer le droit d'utiliser le logo Marianne, la mention ministère d'enseignement supérieur? Je ne vois pas non plus. Je ne vois pas non plus. Vous garderez des traces, vous serez au courant, vous garderez des traces, etc. Parce que là, j'ai l'impression que vous tendez des cieux oui, d'accord. Donc, on reste en contact, et puis je vais faire cela, et à très bientôt. Facebook s'est fait racheter par plusieurs sociétés, donc il y a beaucoup de contrefaçons, on va dire, qui ne se privent pas de repêcher le nom et de leur créer un propre profil, après quoi on reçoit une information comme quoi le profil est déjà créé, du style le profil que vous avez créé la veille est déjà actif et que vous pouvez surfer dessus, etc. Donc Facebook est vraiment devenu infiable. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est Twitter et que pour moi, je n'accorde pas le fait de suivre mes tweets sauf avant confirmation. Et puis, puisque j'avais vu que c'était Marianne et que l'adresse du site web était bien l'adresse du site web de enseignement-recherche, etc.
Puisque l'adresse du site web, certainement, oui. Alors, mais ici, sur les gens qui les suivent, je trouve ministère de l'Agriculture, la Sorbonne, quoi d'autre? Beaucoup de particuliers, certainement. Ça, c'est les gens qui suivent ce Twitter-là, ici. Je ne compte pas sur, mais certainement, d'accord, oui. Certainement, certainement. Si vous voulez, je. De. Absolument, absolument. Oui. D'accord. D'accord, ok. D'accord, il y a, bon, je vous mentionne aussi qu'il y a l'Académie de Poitiers. Je vous informe, à part les personnes privées, hein, les gens qui suivent ce site, en pensant certainement que c'est le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a l'Académie de Poitiers, il y a le ministère de l'Agriculture et la Sorbonne. Sinon, il y a République solidaire, ainsi de suite, donc des choses, des associations, ce genre de choses. Ça va? Eh bien, je me sens quitte de cela en vous en ayant informé. Et puis, c'est pas ma première surprise parce que là, je viens juste 2 minutes avant vous d'avoir la hotline de l'Union européenne sur une personne qui me suit ou une structure, on va dire, qui utilise le logo européen et qui utilise le mot européenne, machin, européenne innovation en l'occurrence. Et apparemment, qui ne figurent pas non plus sur leur listing. Donc voilà. J'espère que vous allez remédier à cela et que bientôt j'aurai des nouvelles de ça. Je peux vous laisser mes coordonnées si vous voulez. Donc je vous en prie. Dans le mail, alors je joins mes coordonnées ainsi de suite. Très bien. Très bien. Voilà. Une bonne journée. Au revoir. Très bientôt, au revoir. Donc, Sorbonne. Sorbonne, je vais devoir chercher après un numéro de téléphone. La recherche ici de suite. Donc, contacter, il n'y a qu'un champ email. Bien, mes affaires privées me pressent. Donc, je vous laisse à 14h20. Je serai très bientôt de retour. Thank you.
Voilà, maintenant on appellera la Sorbonne de Paris 1 Panthéon. Qui est le 01 44 07 80 00. Le numéro qui n'est pas accessible apparemment, rue Saint-Jacques 212 à Paris. Université Paris 5, Sorbonne. On essaiera à Paris 5, alors le 40, 46, 26, 93. 40, 46, 26, 93. Il est 14h22. 14h24 selon les heures plus à l'avance. C'est un bon signe. Ça peut être un citoyen qui a eu l'occasion de parler avant. Ça va s'en occuper, ce qui est inquiétant. D'ailleurs, ça devrait être une centrale, ainsi de suite. Ah, c'était pas un. Paris-Sorbonne.fr. Paris-Sorbonne.fr. C'est le nous contacter qui fait que. C'est un champ email. Je ne vais pas m'aventurer à vérifier les Twitter parce que j'ai Israeli News et autres, j'ai une soi-disant association d'handicapés égyptiens, ainsi de suite, donc, entre autres. Voir alors à l'occasion, ministère des enseignements supérieurs, s'ils ont une sorte d'annuaire. Autant de la recherche. Portail étudiant. Bon, niveau quoi? On est sans particulier, choisir un domaine. Ceci même quoi? Alors, lecture, ainsi de suite. Banque assurance, une civile, environnement, aussi informatique. Allez. Game design et programmation. Donc,
3 ans, certificat d'école, formation inscrite, dernier certificat d'institution. Donc, de par formation, et dans le résultat par formation, selon la formation, ce qui n'est pas susceptible de m'aider. Là, on revient sur Université de Sorbonne. Lettres et civilisations, je ne choisirais pas exactement. Bon. De la Sorbonne 40 46 26 93. Ça s'en occupe toujours. Allez, Sorbonne.fr. Quelque chose de jaune.fr, page blanche. Panthéon, standard de l'université 40, 46, 22, 22, 11. Très bonne nouvelle. Ça sonne sans réponse. Mais c'est l'autre option.
c'est l'option A. Donc 40, 40, 62, 40, 40. Donc c'était Paris 4, Sorbe. Rue d'Arreau, numéro 9, à Paris, 75-014. Donc, ça n'a pas marché, on essaiera rue Michelet, numéro 9. Au 43-26-16-23. 01, bien sûr, 43-26-16-23. Ceci, on est boulevard Batignolles et rue Bourseau. On procède par rue Bourseau. Bourseau, oui. Bourseau ne répond pas, on va essayer boulevard Batignolles. C'est un fax. Donc, rue Molitor. Non, Panthéon 46-22-11. J'ai eu une réponse. New email, camouflage.1@gmail.com. Notre standard. Bonjour madame. Je voudrais me renseigner sur la direction ou le secrétariat qui s'occupe de votre tuteur, Sorbonne 001. À partir du 3 janvier. D'accord. Est-ce que vous avez le numéro auquel je devrais appeler? Vous voulez dire le numéro que je suis en train d'utiliser maintenant? D'accord. Très bien. Merci beaucoup. D'accord. D'accord.
inclus dans une petite dans une semaine et quelques. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors on écoute un petit poème sur quoi je vous laisse. Sur CNBC et Pimco qui donne l'état des lieux de l'évolution de l'économie. Nasdaq Broadcast est normal, on va dire, il y a toujours un IPD, la publicité de la tour, ainsi de suite. Et Bloomberg poste une publicité. Il est 14h38.